Salut tout le monde, bienvenue dans le weekly vlog de Devi. Alors comme vous voyez déjà, hein, cette vidéo sera très longue, je le sais très bien, on est que lundi, je sais que je débute le vlog là maintenant, mais je sais que ça va être très très long. Un weekly vlog qui dure que pour moi 10 minutes, c'est pas un weekly vlog donc ça sera très long. Alors, il est exactement 11h27 du matin et je vous prends donc en ce lundi matin, donc je dis bien matin parce qu'il est déjà quand même presque midi, mais bon, pour commencer ce weekly vlog. Donc vous avez été nombreux à réagir quand je vous avais demandé si ça vous intéressait. Et ben voilà, donc c'est parti, on va essayer de s'y tenir. Je ne dis pas que je le ferai toutes les semaines. Je vais tester cette semaine et puis on verra bien si je m'y tiens déjà, parce que je me connais, si c'est intéressant pour vous aussi. Vous devez certainement être surpris, quoique non, normalement vous avez vu déjà une vidéo avec cette couleur là. Ben voilà, j'ai repassé le pas du roux, j'ai fait ça il y a 3 jours je crois, je l'ai fait moi-même. Donc j'avais acheté du décolorant de chez Garnier je crois, 2 boîtes. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà vu, enfin vous l'avez vu en avant-première parce que bah, forcément c'est comme je poste tous les jours sur TikTok, vous le voyez. Donc voilà, j'ai ressauté le pas du roux, j'en avais vraiment envie parce que la couleur que j'avais, je trouvais ça terne. Je trouvais ça très banal et ça ne me correspondait pas, enfin ça pétillait pas comme je voulais, donc voilà. Alors je vous avoue qu'il n'est pas super bien fait, hein. Faut pas regarder très, très, très proche. Parce qu'on voit que les racines ici ont pris énormément la décoloration, donc c'est encore un petit peu trop orange je trouve. Tandis que là, ça n'a pas bien pris. Varum, pourquoi? Alors que j'ai mis exactement la même dose, quoi, le même temps et tout. Je sais pas si vous entendez du bruit, enfin, si vous entendez fort les voitures, c'est parce que j'ai aéré la maison. Il y a un camion qui passe. Ah, ici, c'est une. Je vais pas dire que c'est une autoroute, mais presque. Hein. Je travaille pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je vous poste. Enfin, non, faut que je vous tourne une vidéo. Le challenge Disney que normalement vous avez vu. Vous avez déjà vu avant de voir le weekly vlog. Mais je pense que vraiment que ce sera le dernier. Je vais laisser les professionnels le faire. Quand je parle des professionnels, je parle de Evelyse, de Amy et de Manon, parce que franchement elles sont douées et puis elles arrivent bien à planifier leurs trucs et moi j'arrive pas. Je n'y arrive pas, malgré que j'ai du temps libre peut-être dans la semaine ou enfin quoi que cette semaine j'en ai pas eu trop parce que j'ai fait des heures sup, enfin bref, enfin, la semaine dernière je veux dire. Je n'arrive pas à gérer, donc je me stresse plus qu'autre chose, donc je pense que ce sera le dernier, je suis vraiment désolée. De toute façon, je vais en parler à Evelyse avant de poster cette vidéo là, forcément, je suis pas lui apprendre comme ça. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est grève nationale en Belgique, c'est-à-dire que normalement, enfin je pense, je n'ai pas été vérifiée, tout ce qui est magasin et administration aussi, je pense. Donc logiquement je ne dois pas aller faire les magasins. Tout ce qui est non essentiel est fermé pour l'instant et est uniquement sur rendez-vous. Je trouve ça ridicule, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, c'est quelque chose que je ne vais pas débattre ici parce que ça va être trop long et je vais m'énerver. Mais moi je travaille au Luxembourg donc je suis pas concernée. Le Luxembourg ils confinent pratiquement pas, ils en ont rien à abattre. Allez-y, mourrez du corona, c'est pas grave. Voilà. Bon, oui voilà, j'ai ça en main, donc je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis de nouveau dans mon crochet, donc j'avais fait une vidéo, un vlog où je crochetais et je me suis dit tiens, je me lance là-dedans et on verra bien le temps que ça tiendra. Ça tient, j'adore ça, j'ai fait plusieurs pièces que j'aime beaucoup. Enfin voilà, je commence à me perfectionner un petit peu, je dis bien me perfectionner entre gros guillemets, parce que je suis sûre que c'est encore pas mal de défauts. Mais voilà le truc que je suis en train de faire en ce moment, alors il n'est pas fini. Je suis en train de faire un petit hérisson. Alors c'est pour le petit-fils de Richard, donc qui est par alliance le mien aussi, enfin par alliance, et qu'on va accueillir ce vendredi. C'est ce vendredi qu'il vient ? Oui, c'est ce vendredi.
Vous êtes fou comme mes pensées. Donc il vient ce vendredi et j'avais décidé de lui faire un petit truc comme ça pour qu'il ait en souvenir quand il repartira, parce qu'il reste 2-3 jours chez nous. Donc ce qui tombe très bien parce qu'il restera le week-end et que je ne vloguerai peut-être sûrement pas le week-end parce que j'ai pas envie qu'il soit sur les images. Enfin, voilà, c'est son image, c'est pas là, voilà, c'est logique. Donc je lui fais un hérisson. Il n'est pas fini du tout. Là, il faut que j'achève de mettre toutes les épines et ça, c'est un truc de fou. Ça me prend un temps de malade. Je refais les coussins aussi. Je refais tous les coussins de la maison parce qu'on a plein de coussins. Enfin, vous les avez déjà vus, hein, les coussins. Les coussins, vous les voyez souvent quand je fais les mukbangs, on les voit derrière. Et ben, j'ai décidé de refaire tous les coussins, mais à ma façon, au crochet. Et je trouve ça très très beau. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai fait. Donc j'ai fait un côté comme ça. Donc avec des petits genres de petites bouboules. Et l'autre côté, il est comme ça. Il est tout simple avec des gros boutons que j'ai fait. Voilà, que j'ai cousu. Ouais. Mais je trouve que je l'ai cousu un peu court. Vous voyez, ça rebique ici. Bon, c'est un détail, mais voilà. Et j'en ai fait un autre avec une aile beaucoup plus grosse, plus épaisse. Voilà, avec le même principe. Alors celui-là aussi, il est celui-là, il me fait rire parce qu'on dirait qu'il parle. J'ai un coussin qui cause. Bonjour. Ah, le délire. Bonjour. Bon, voilà, faut pas grand-chose, moi, vous le savez. Ah oui, j'ai fait un sac. Enfin, un sac. Vous savez, le genre de sac, sac à provisions des mamies quand on allait. Quand on, enfin, moi, ma grand-mère, elle avait plein de sacs comme ça. J'ai fait très coloré. Je me souviens que ma grand-mère elle en avait un qui était écru, tout comme ça. Et voilà. Donc c'est en filet, hein, c'est un genre de filet comme ça. Vous voyez? C'est un genre de filet. Alors je l'ai fait très long, je trouve, mais pas assez large. Donc ça aussi, il va falloir que je m'améliore, mais c'est pas grave, c'était un premier essai, mais qui est quand même pas si moche que ça. Je suis assez contente de moi. Voilà, mon petit sac d'improvision. Que je referai en autre format. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est ça le problème à moi avec le crochet, c'est que quand je commence un projet et que je le termine surtout, j'ai envie d'en faire un tout de suite après. Il faut que je termine un coussin pour Laura. J'ai fait déjà le devant. Elle voulait un coussin un peu style bohème, très épuré. Donc j'ai fait ça et derrière je le ferai en brun un peu plus foncé. Là, il s'étend, hein. On ne voit pas bien. Il faut le voir sur un coussin, ce sera plus joli. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'avais refait un gilet, mais qui est en haut. Vous le verrez certainement dans la semaine. Voilà, ce sera plus simple. Vous le verrez dans la semaine, je vous montrerai, mais je trouve qu'il fait très mémère. Il est très chaud pour l'hiver devant une série Netflix. Voilà, vous voyez, très cocooning, mais c'est pas un gilet que je porterai. Il fait très mémère, mais il est très confortable. Si vous êtes crocheteuse ou tricoteuse comme moi, il va falloir que vous m'aidiez parce que... Voilà. Ma boîte à crochet et ma boîte à laine ne ressemblent plus à rien. Alors j'ai pas mal de bouquins aussi, j'ai des petits bouquins que j'achète. Ça, vous les trouvez dans le commerce. À 5-6 euros, vous les trouvez dans le commerce. Et franchement, c'est pas mal. Mais là je ne m'en sors plus parce que ma laine, elle se mélange. Mes crochets, j'en ai un peu partout. Enfin, j'ai mes accessoires, je sais pas. Il va falloir que je trouve une boîte, si vous avez une idée, à me suggérer pour pouvoir ranger tout ça et pour que ce soit plus ordonné. Parce que là, ça fait bordel et j'aime pas du tout. Bien que je peux mettre un couvercle dessus. Mais voilà, je m'en sors pas. Voilà, avec le couvercle on voit plus rien. Mais quand je cherche quelque chose, j'ai vraiment du mal à trouver ce que je veux et ça m'embête. Et ça, c'est un coussin que j'ai acheté. Une astuce que j'ai. Enfin, que je n'ai pas trouvé moi-même. Hein. Enfin, je suppose que tout le monde le fait, il y en a beaucoup qui le font. Vous savez, pour ce genre de petits personnages-là, les amigurumis, comment on appelle ça? Les amigurumis, il faut acheter du rembourrage pour coussin. Pour mettre dedans, c'est un genre de rembourrage quoi. Et j'avais été voir sur internet le prix et c'était affreusement cher, enfin, c'était plus de 12 euros je crois, même plus, une vingtaine d'euros je crois. Enfin, c'était horrible le prix. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un coussin chez Trafic,
qui m'a coûté 2 ou 3 euros. Donc un bête coussin. Et bah, je l'ai ouvert et j'ai mon rembourrage. Voilà. Donc ça me coûte pratiquement rien. Et j'ai le rembourrage qu'il faut pour mettre là-dedans. Voilà, le wiki vlog, comme je vous ai dit, va être très long parce que là ça fait déjà 14 minutes que je cause. Voilà, journée du lundi, pas terminée, mais la matinée oui. Je vous reprends dès que je peux. On verra bien. Bon, ça tu veux des brocolis? Oui. On est au Cora les gars. Non, non. Bonjour, on est au Cora. Bah, il faut bien qu'on me voit. Il faut bien qu'on me voit. Oh, j'ai plus de batterie, t'as de la chance. Ah. Bon, bah, on était au Cora, j'ai plus de batterie, bah voilà, au revoir. On y était. Elle est très gênée voilà, parce que voilà. Si je te filme, au revoir, Noa. Au revoir. Allez, vas-y. Coucou, nous sommes mardi, il est 11h moins 10, je travaille de l'après-midi, d'où ma tenue. Oh, regardez, le gros pacha. Donc là, je viens d'aller prendre ma douche. Ce sera pas une journée très constructive aujourd'hui parce que bah, je travaille. Donc, enfin, si c'est constructif parce que je travaille, on peut pas dire le contraire. Mais pour vous, vous n'allez pas voir grand chose. Hier soir, j'ai continué mon petit hérisson. Vous voyez ? Ouh, j'ai presque fini. Donc, j'ai plus que cette partie-là à faire. Mais c'est long à faire, je vous assure, c'est un truc de fou. Je pense que je vais refaire un. Ah, ça me chatouille. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. J'adore ça parce que quand j'ai un petit peu d'eau dans l'oreille là. Je fais chanter mon oreille. Avouez que je suis pas la seule. Quand même, j'espère que je suis pas la seule à faire ça. Demain est un autre jour. Demain, je ne travaille pas. Et on a rendez-vous. Enfin, vous verrez bien. Je vais pas vous spoiler pour la journée de demain. Continuez à regarder et puis c'est tout. Allez, je vais aller me préparer. Je vous reprends peut-être juste avant d'aller travailler. Ça, vous verrez. Mes cheveux mouillés et mes cheveux secs, voilà. Voilà, je suis prête. Et il y a quelqu'un qui m'a rejoint. Bonjour à tous. Tu joues à quoi? Harry Potter. Si vous avez compris, vous êtes fort. Ou fort. On voit Pixel. On l'a vu au début, ouais. Vous voyez, il a pas bougé. Hein. Je voulais revenir sur une chose. Hein? Claquette chaussette. T'en fous, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Oui. Bon voilà, c'est le principe du vlog. Hein. C'est de montrer la vraie vie. C'est de pas vous montrer des choses qui sont pas vraies. Voilà, c'est ça les vlogs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Hier j'ai pris une décision. En fait, au début du vlog de lundi, je vous ai parlé que je devais filmer le challenge Disney. Sauf que ben, vous l'avez pas vu. Ah, et parce que je me suis retirée de l'affaire. Je m'explique pourquoi. C'est pas parce que je n'appréciais pas les personnes. Au contraire, vous le savez très bien que ces trois personnes-là, je les aime beaucoup. Et que Evelyne, c'est une amie. Donc voilà, donc je vois assez souvent. Donc c'est pas parce que je les apprécie pas. C'est parce que je me trouve pas. Je vais pas dire que je me trouve pas à la hauteur parce que je sais très bien que vous allez dire ouais, c'est pas vrai, t'es là, là. Bon, je sais comment vous êtes. Bande de petits cacalinous. Donc non, c'est parce que je me mettais une pression tellement forte que ça me stressait et que je ne prenais plus, alors que je l'ai fait que deux fois je crois, deux fois ou trois fois, je l'ai fait que deux fois, moi ouais, je l'ai fait que deux fois, et ben déjà à la troisième fois je prenais plus de plaisir à vouloir le faire parce que ça me stressait trop, parce que je sais très bien que mes compétences en maquillage sont très limitées, je le sais. Et vous aussi, vous le savez, mes compétences en maquillage sont limitées, faut pas déconner. Par rapport à Evelyne, à Manon et à Amy, ben voilà, c'est rien à voir. Donc je me suis retirée de l'affaire, je les laisse faire toutes les trois, parce qu'elles sont très douées. Donc leur vidéo est déjà sortie, du challenge Disney. Je vous dis pas ce que c'est, bah si, vous l'avez peut-être vu, enfin bref, parce que vous allez voir cette vidéo là dimanche, il faut que je réfléchisse à ce que je dis, hein. C'est déjà sorti mercredi, je vous invite vraiment à aller le voir, parce que c'est pas parce que je fais plus le challenge, qu'il faut pas aller voir le challenge des filles, enfin voilà, je vous mets leur vidéo dans la barre de description, comme ça vous les verrez, voilà, vous les verrez. C'est tout ce que j'avais à dire, donc voilà, je leur fais à toutes les trois des gros bisous. Et puis bah, moi je vais aller manger un bout parce qu'il est déjà 11h presque et demi, 11h20. Moi, je vais bientôt préparer comme ça. Qu'est-ce que mon oreille a fait plus de bruit? Non, parce que tantôt j'ai fait ça et mon oreille elle chantait.
parce que j'avais encore de l'eau de la douche. Ça chantait, j'avais une oreille chantante. Donc là, ça le fait plus parce que j'ai plus de d'eau dans mes oreilles. C'est intéressant, c'est super intéressant mes blogs. voilà, moi je vais aller manger un bout et puis me préparer psychologiquement pour aller travailler parce qu'il fait extrêmement beau dehors. Il fait plus de 20 degrés, je suis sûre. Et là, quand c'est comme ça, c'est super dur. Mais bon, il faut bien y aller. Laura, elle est en congé cette semaine et les deux semaines d'après. Oui. Normalement, elle aurait dû avoir école, mais la décision du gouvernement belge, c'est une semaine avant les semaines officielles de vacances, ils sont en congé. Donc, voilà, elle va demander. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que demander? Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, moi je vais aller me préparer et puis je ne vous retrouve pas aujourd'hui parce que forcément je vais aller travailler. À demain. Viens enfin filmer Mixel de si près. T'es beau hein. Ouais. Bon allez, on va chez l'orthodontiste. J'adore. C'est horrible. On est arrivé devant chez l'orthodontiste, on a rendez-vous à 14h30, il est 20. Et avec les restrictions, tout ça, machin, il faut arriver pile à l'heure, faut pas être là en avance parce que comme ça on évite de croiser des gens et tout, c'est ça qui est vachement bien. Donc, petit masque, c'est sûr, hein, on a un petit masque. Dans ta voiture on est tout. J'ai pas la clim, je suis désolée. C'est un vieux modèle moi, c'est une vieille Twingo que j'ai. Bah ouais. Et puis elle va très bien, moi je vais pas la changer juste parce que j'ai pas la clim. Bon, à 25 on y va quoi. 25 on y va quoi. D'accord. Après, on va faire 2-3 courses pour faire à manger ce soir. On fait quoi à manger? On fait du poulet. Non. On fait des boulettes sauce champignons avec des farfales. Voilà. Pourquoi tu parles en SMR? Parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture qui passe. Et c'est agréable. Ça fait du bien de parler comme ça. Vous aimez bien? Bah oui. Si, on a vu des vidéos où des araignées elles sautent. Il est en retard. Du coup, on attend. Viens, petit, dans mon coin. Dans mon comic strip. Attends, mon comic strip. Ok. C'est pas. On est au Cora. Y'a personne, les gars, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Ouais, voilà, tout ce qui est non essentiel est fermé, donc à mon avis c'est pour ça, il n'y a plus personne dans les magasins quoi. Puis, les gens ont peur, ils sont plus sauvés. J'ai pas mis en l'air. Hein. Bon alors, parti pour faire 2-3 courses en vitesse. Et voilà. Et c'est calme, il n'y a pas grand monde. Ah, la madame, elle a un abonné en crochet. Oh. Bon, j'arrête parce qu'on va passer devant les gardes et ils vont m'engueuler. On garde pour le goûter. On ne sait pas qu'on est que toutes les deux. C'est vrai? Bah oui. Oh, tout seul, là. Oh, c'est quoi ça? Tout seul, là. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Ils sont tous écrasés. Ah, le chocolat. Au cacao. Oh, ça a l'air bon. Allez, vas-y. Il est tout écrasé, celui-là. Je crois qu'il est écrasé. On dirait des macarons. Bah oui. Il nous faut quoi maintenant? Ah, des pâtes. Du haché. Et du haché. Ah, bah c'est par là le haché. Bah oui. Parti par là. Il est 7h du mat. Là, je suis en route pour aller dans le boulot. La musique et je travaille jusqu'à
que 4 heures. Normalement. Si bien normalement, ça serait un peu plus tôt, je pense. Si on bosse bien du matin, j'ai peut-être une chance de pouvoir partir un peu plus tôt. Je verrai bien. De toute façon, je reprendrai dès que je finis le boulot. Et voilà. Je suis fatiguée, j'ai très mal dormi. Comme à chaque fois que je fais. Que je fais le matin, je dors très mal. Parce que je sais pas pourquoi, déjà parce qu'il faut déjà que j'aille me coucher un peu plus tôt que d'habitude et j'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai pas l'habitude de dire je commence à avoir l'habitude. Mais je dors super mal. Je ne sais pas attendre. Voilà, bien. Coincé par le bus. Oh là là là. Oh, si vous roulez en moto, faites attention. Non, parce que vous roulez en moto, vous êtes les rois du monde et oh, bah, ça fait toujours peur. Bref. Oui, je disais donc, je dors très très mal quand je fais le matin, quand je sais que je dois me lever tôt. Est-ce que c'est la trouble de louper le réveil? Est-ce que je suis tout le temps en train de surveiller le réveil en fait, garder l'heure qu'il est et tout. Je vois toutes les heures défiler. Oh, vous êtes déjà là? Je viens d'arriver. Bon, allez. Arrête de plaisanter là, on va aller travailler. Allez, à tantôt. C'est l'heure de la pause. Il est midi 15, midi 20. Je vais aller manger mon coyote. Un petit energy drink parce que j'en ai besoin. Ah, c'est classe. Les chaussures derrière. Un yaourt. Et un petit pain à la citrouille. Et puis voilà. Et puis, je sais pas pourquoi je garde mon masque parce que là, je suis toute seule dans la cantine. Je peux le retirer. Et puis après, bah, on continue la journée. Je pensais partir plus tôt, mais ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on a un monde de fous. Ah, voilà. Allez, je vais me sustenter, comme on dit. Oh, il est 16h15. Voilà, je m'en vais. Je suis essoufflée. Je vais aller faire 2-3 courses hein, dans le magasin. Et puis je rentre à la maison et puis la journée sera bonne parce que là je suis claquée. Voilà, vous allez dire il m'en faut peu, mais non, j'ai beaucoup travaillé, bonjour. L'heure est grave, ça fait un quart d'heure que je suis dans les bouchons là. En fait c'est rare, je vais peut-être fermer les fenêtres, ça va faire un bruit d'enfer. C'est rare que je finisse à cette heure là. En général je finis soit à 19h, soit à 13h30. Mais 16h, c'est super rare. Et oh mon dieu, je me rends compte que c'est la catastrophe quand on finit à cette heure-là. Parce que tous ceux qui travaillent dans les bureaux, on finit à 16h. Donc voilà, je suis dans les bouchons des gens qui travaillent dans les bureaux. Avec les grosses BM, les grosses Mercedes et les grosses Volvo. Et moi, je suis avec ma petite Twingo. Voilà, bon. Je prends mon mal en patience. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ça avance un petit peu mieux. Le problème, c'est qu'il y a un embranchement ici et que tout le monde prend cet embranchement-là en croyant que ça ira plus vite. Et ils nous emmerdent les autres. Il faut les laisser passer. Et ça, c'est super chiant. Donc voilà. Donc, on est obligé de ralentir à cause de personnes qui veulent passer absolument, qui passent devant tout le monde. C'était la minute, je râle. Voilà. L'autre elle s'en fout. Elle s'en fout du. N'importe quoi. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi ce matin. Je ne respectais pas. Je disais juste qu'il fallait faire attention quand on était motard et tout ça. Il y a un truc que moi je fais à chaque fois que je vois un motard qui est derrière moi, c'est que je me décale. J'ai chaud. Je suis désolée, je vous dis parce que j'ai vraiment trop chaud. Je me décale sur la droite pour le laisser passer et je me rends compte qu'il y a très peu de personnes qui le font. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est du cynisme. Merlet. Bon, voilà. Je vous retrouve peut-être à la maison, peut-être pas, je sais pas, on verra bien. De toute façon, nous sommes jeudi, encore vendredi. Il y a encore vendredi. Oui, encore vendredi. Voilà.
Allez, je retrouve la servante un peu mieux. Attends. Pour tout le monde, quand même. Que de chouette. On est vendredi. Ouais, on est vendredi et moi je travaille. C'est jour du poisson. Et toi, tu travailles pas. Ah ben non, ça change, ça fait du bien, putain. En congé. T'es obligé d'être grossier. Waouh. Alors, si vous entendez parler, c'est la prof d'allemand de Laura, elle est en live. On ne t'entend pas, hein, tu parles tellement. C'est parce que j'ai pas envie de l'en déranger, Laura. Ah ouais. Donc. Que je traduise. Non, il n'y a pas besoin de traduire. Donc. Il n'y a pas besoin de traduire. Donc moi je vais aller bientôt travailler. Allez, hop. Toi t'as son test PCR à faire. Ouais, mais je ne suis pas malade, hein. C'est non, une invitation. C'est, un truc, voilà, c'est une invitation. Juste pour voilà, c'est comme ça. C'est une invitation du pays où je travaille qui me dit viens, nous on va faire le test gratos parce que ton pays ne le fait pas. Ouais. Bravo. Bravo. C'est cool, hein. Ouais. Alors moi je le fais. Allez, t'es pas encore parti? Oh. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Ah, je cherchais mon petit-fils. Il est réveillé comme ça. C'est la première fois qu'il vient dormir chez nous et on est super content. Allez, va travailler. Ah, pour ceux qui se demandent, c'est pas mon fils. Parce qu'on est un couple recomposé, vous le savez déjà. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Voilà. Bastien, le fils de Richard, le papa de Clément, ce n'est pas mon fils. Voilà. Parce que mon fils, il est là. Oui, mais il ne vient pas dans l'écran. Il ne veut pas se montrer. Il vient pas dans l'écran. Il est trop beau. C'est urgent. Mais, si vous êtes blonde ou brune, de taille moyenne ou grande... Laissez-moi votre CV. Mais après, de le caser tout le temps. Je lui transmettrai. Il est très bien comme ça. Bon allez, je vais continuer à me préparer et puis je ne sais pas, on verra bien. On verra bien dans la journée si je vais prendre. Ouais, c'est... Oh, bah du. Bah parce que après moi je vais au travail donc ça va être compliqué. Je clôture ce vlog, nous sommes samedi, j'ai travaillé le matin et j'en profite que Richard est parti avec le petit bout parce que là, comme je vous l'avais dit, on a Clément qui est là pendant 4 jours. Donc là, il est parti faire une petite course avec lui, j'en profite pour pouvoir clôturer mon vlog maintenant parce que je veux pas qu'il apparaisse dans le vlog, enfin, voilà, c'est normal. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère qu'il aura été intéressant comme je vous ai dit. J'ai pas une vie avec des rebondissements de malade, j'ai pas des shootings photos, j'ai pas des rendez-vous professionnels de fou, donc bah, j'en ai même pas du tout. Les rendez-vous professionnels, ça fera un bon boulot et puis voilà, c'est tout. Et ben voilà, j'attends vos réactions, j'attends vos commentaires, j'attends votre ressenti sur ce vlog pour voir si je continue ou pas, si j'en fais de temps en temps. Je dis pas que je le ferai toutes les semaines parce que ça prend quand même vachement du temps. Mais ça m'a bien plu de le faire cette semaine en tout cas. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt et un gros bisou à vous tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et vous êtes les meilleurs.